Moi, le confinement, ça a été synonyme de changement d'activité puisque de restaurant, j'ai décidé de lancer un marché en fait de producteurs dans le resto. C'est tous les jours de 10h à 14h avec des producteurs locaux qui arrivent encore un peu à livrer, sachant que ça devient de plus en plus compliqué pour beaucoup beaucoup de personnes. Donc on a du saucisson par exemple qui vient du Perche, des produits Calios évidemment, comme ça permet d'avoir un minimum d'épicerie chez soi. Ici, on a des asperges qui viennent de chez Laurent Berruyer, justement du 95. Voilà, c'est brocoli, les blettes, les carottes, les épinards. Voilà, puis ça, c'est quelques produits pour complémenter un peu tout ça. Mais voilà, quoi, confinement pour moi, ça veut dire on change son fusil d'épaule, on s'adapte et puis on arrive à continuer à nourrir les gens de façon correcte en fait dans le quartier. Le problème c'est que en France on est un peu des mauvais élèves et à chaque fois qu'on a une grosse crise on se dit on va changer un peu radicalement toute notre façon d'être et puis essayer de se poser des vraies questions puis en fait 15 jours après on a déjà tout oublié. Donc j'espère que les gens vont se poser des questions pendant cette crise, essayer d'aller peut-être plus vers l'essentiel et plus vers la qualité au lieu de la quantité. Et j'espère surtout que ça durera et que les gens vont pas oublier les conséquences de ce qui se passe aujourd'hui en un claquement de doigts.